Ceux qui sont assis, est-ce que nous devons tous nous tenir debout? Ceux qui le peuvent. J'aimerais qu'on prenne un temps d'adoration pour continuer dans cette atmosphère. Jésus est monté à la croix pour toi et moi. Jésus est monté à la croix pour toi et moi. J'aimerais que ce matin tu puisses désirer sa présence. Désire la présence de ton Seigneur ce matin. Désire la présence de ton Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu ce matin dans ta vie? Nous sommes arrivés à un temps où la Bible nous dit il y aura des temps difficiles où beaucoup abandonneront la foi. Des temps difficiles où beaucoup quitteront les églises. Des temps difficiles où l'ennemi va pénétrer dans les églises. Où le diable va s'infiltrer dans les églises. Mais désire la présence de Dieu afin de ne pas tomber dans la tentation. Hey! Est-ce que tu peux dire à Jésus, crée en moi une soif nouvelle. Crée en moi une soif nouvelle. Une soif nouvelle de ta présence. Une soif nouvelle de ta présence. Rabba shakaba robo zibro satsaba rababosha. Lembro zabarawa sheta rababosha. Désire sa présence. Désire sa présence. Désire sa présence. Ce matin, désire sa présence. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Invite le règne de Dieu dans ta vie. Dis-lui, oui, je te désire. Dis-lui, je te désire. Nous voulons chanter un chant ce matin. Qui dit oui, je te désire. Oui, je te désire. Plus profond de moi, je soif de ta présence. Comble-moi, que toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons Seigneur les instants les plus forts dans le monde. Hey! Oh! Est-ce que tu peux chanter ces chants avec moi si tu les connais? Ces chants est très simple. Passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Dis-moi un mot d'amour et partageons. Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Quand tu me remplis.
Est-ce que tu peux le désirer ce matin? Au plus profond de moi. Hey! Nous voulons te désirer encore ce matin, Jésus. Nous te désirons ce matin. Oh! Je te désire ce matin, Seigneur. Mon vœu ardent, c'est d'habiter ta cour. Alléluia. Yes. D'habiter ta cour, contempler ta bonté, exalter parfum, nager à l'océan de ton amour divin et partager, Seigneur, les instants les plus forts. Rien n'est dans ce monde, rien n'est bon dans ce monde. Rien n'est bon dans ce monde. Si ce n'est Dieu, connaître ton amour nous inonde. Nous te suivrons, bon maître. Nous te suivrons, bon maître. Bon maître, toujours à tes côtés. Pour chaque jour et renaître. Pour chaque jour. Honnête et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Tu me remplis. Oh, quand tu me remplis, Jésus, cela me suffit. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons. Partageons. Oh, quand tu me remplis. Quand tu me remplis. Oh, quand tu me remplis. Est-ce que Dieu peut te remplir ce matin? Je désire qu'il me remplisse ce matin. Oh, oui, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons. Encore une fois. Oh, quand tu me remplis. Oh, tu me remplis. Hey, cela me suffit. Cela me j'ai juste besoin de ta présence. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai juste besoin de ta présence. Partageons. Ta présence me suffit. Oh, quand tu me remplis. Oh, quand tu me remplis. Oh, quand tu me remplis. Cela me suffit. 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 Ce matin, que le Saint-Esprit te remplisse. Partageons. Enfin, je désire. Je te désire. Au plus fort. Au plus profond de moi. Sans les instruments, tous ensemble. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me conduis-moi près de toi. Partageons. Rentre encore.
votre corps dans la présence de Dieu. Quand tu me remplis. 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 L'ange dira à Jean, monte et je te ferai montrer des choses que tu n'as jamais vues. Monte encore ce matin, monte encore ce matin, monte ton esprit 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 ce matin. Eh, kababa, papa, 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 qui descend ce matin, il y a une onction fraîche qui descend. La papa, papa, il prend sa capa, il y a toko saka, il prend sa go, il prend sa capa chaka, il y a noko toko, runda kasiba, il rakata bo sande, anoro bo chaka, il prend sa capa, il y a tobo sae bo chaka, il y a kabo sae bo saka, il rabashande, il y a brasa, anoro bo chaka, il y a kabo sabro na baba. Je te désire, plus profond de moi. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Sois sensible à l'esprit de Dieu. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Sois sensible à l'onction de Dieu. Sois sensible au feu de Dieu. Yambarababa shata. Ambrasaba shoka baba sonli. Attire-moi à toi. Hey, kabashata baba baba. Hey, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh yes. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié ce matin. Restaurer notre alliance.
Est-ce que tu peux faire plus que ça et mieux que ça ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci les filles. Bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Vous avez passé une bonne semaine? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, sa fidélité et sa miséricorde. Alléluia. Ce matin, j'ai la grâce de Dieu et le privilège de Dieu de me tenir devant vous, qui êtes le peuple de Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire, de le redire. Ce n'est pas le peuple d'un homme, mais c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Et il y a une manière de communiquer les choses au peuple de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu ne dit rien à son peuple, serviteurs de Dieu que nous sommes, disons aussi rien. Alléluia. Quand Dieu parle, là on peut parler. Alléluia. Parce que Dieu se sert toujours d'un homme. Mais Dieu ne parle pas tout le temps. Alléluia. Malheureusement aujourd'hui, les hommes se lèvent et tout le monde veut parler. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce monde, certaines personnes parlent, mais ne parlent pas de la part de Dieu. Et si nous ne parlons pas de la part de Dieu, c'est que nous parlons de la part du diable. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux esprits. Alléluia. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Donc si ce matin, je ne viens pas vous parler de la part de Dieu, je parlerai de la part du diable. Je bénis Dieu parce que je suis un racheté. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon père spirituel qui est absent. Et je sais que l'Esprit de Dieu est là où il est, qu'il accompagne en mission le pasteur Douglas. Pour la sagesse et pour la confiance. Parce que c'est lui qui a permis que je sois devant vous. C'est Dieu, bien sûr, mais par le canal du pasteur Douglas. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous, avec nous, un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur il y a de cela 3 mois par là. Et ce thème n'arrêtait pas de bouger mon cœur. Parfois je dormais, mais je me réveillais avec ce thème. Et je ne savais pas à quel moment je devais partager cela. Mais l'appui à Dieu que je puisse partager cela aujourd'hui. Mon thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est sortez de la foule. Alléluia. Sortez de la foule. Tel que nous sommes, n'est-ce pas que nous sommes une foule? Alléluia. Nous sommes une foule, n'est-ce pas? Nous sommes plusieurs. Nous sommes ce qu'on appelle une masse. Et dans la foule, chacun vient avec ses raisons. Chacun vient avec son intérêt. Alléluia. Mais une question que le Seigneur m'a posée et que j'aimerais nous poser ce matin. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons pourquoi? Alléluia. Sortez de la foule. Qu'est-ce que la foule? Selon Larousse, le dictionnaire, la foule c'est une multitude de personnes réunies en un même lieu. C'est une masse, comme je disais tout à l'heure. Le commun des hommes pris collectivement. Ça c'est la foule. Et notre définition de la foule, ensemble d'individus anonymes et semblables et dont les sentiments et les idées
sont orientés dans une même direction. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est une définition que j'ai vraiment aimée. C'est un rassemblement fortuit de nombreux animaux de la même espèce sans structure ni fonction. Alléluia. Sans structure ni fonction. J'aimerais nous dire une chose, bien-aimés. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il choisit les 12 disciples. Il prit un temps avant de choisir, là où il s'est enfermé. Pendant 12 heures, Christ va prier. Et selon la révélation de son Père, il va choisir les 12. Il va les appeler, comme nous connaissons. Et les 12 vont marcher avec le Seigneur. En marchant avec le Seigneur, par des miracles, des prodiges et certaines choses qu'il va réaliser et faire, la foule aussi va se lever et suivre le Seigneur. Alléluia. Mais cette foule ne faisait pas partie des disciples. Alléluia. Mais suivez le Seigneur. Qu'est-ce que la foule? La foule, c'est des personnes qui suivent une personne sans savoir là où la personne va. Alléluia. Tel que nous sommes ici, certainement que parmi nous, certaines personnes sont dans la foule. Mais ils ne le savent même pas. Alléluia. La foule représente des personnes qui viennent juste pour un besoin particulier. La foule, ce sont des personnes qui ne s'attachent pas à la personne de Christ, mais qui s'attachent au miracle de Christ. Bien-aimé, tu peux venir à l'église, faire 10 ans dans une église, 15 ans dans une église, et ne pas être compté parmi les disciples. Sortons de la foule. La foule, ce sont des personnes qui vont s'approcher de toi pour un temps. Te lever pour un temps, mais ce sont les mêmes personnes qui diront crucifiez-le. Aujourd'hui, je peux te prêcher la parole de Dieu, je peux te faire du bien, mais demain, si tu me retrouves dans une situation qui n'est pas peut-être biblique, m'accuseras-tu ou tu continueras à m'aimer pour ce que je t'ai donné? Alléluia. C'est ça la foule. Le Seigneur interpelle l'Église aujourd'hui de sortir de la foule et de devenir disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui a la révélation de la personne qui suit. Alors que la foule n'a pas la révélation du Seigneur. Dans nos églises, nous pouvons voir certaines personnes qui disent, moi je ne peux pas écouter le message de telle ou telle personne. Je n'écoute que le message de mon pasteur, idolâtre que tu es. C'est ça la foule. La Bible nous dit une chose, que nous devons nous aider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Comment toi tu peux dire, moi je n'écoute pas les messages des autres personnes, je n'écoute que le message de mon pasteur. Ce n'est pas ton pasteur. C'est un homme comme toi. Aujourd'hui, nous sommes en train de lever nos pasteurs, en train d'adorer les prophètes, en train de lever les hommes de Dieu, alors que l'élévation et l'adoration revient à Dieu. C'est ça la foule. La foule fait le contraire de ce que les disciples font. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un texte. Là, c'était juste une petite introduction pour nous aider un peu. Nous allons lire Luc 14, Luc chapitre 14, chapitre 25, excusez-moi, Luc chapitre 14, versets 25 à 27.
Quelqu'un peut m'aider à lire cela, s'il vous plaît? Alléluia. Vous avez bien compris? Des grandes foules faisaient route avec Jésus, comme je le disais au début. Ils le suivaient. Mais le Seigneur se tourne vers ces personnes et dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce que cette personne doit faire? Il dit, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Cela veut dire quoi? Il y a des conditions pour devenir disciple. Il y a des conditions pour suivre le Seigneur. Tu ne peux pas suivre Dieu comme un mouton. Il y a des conditions que le Seigneur a données qui nous aident pour devenir disciples. Aimes-tu ta femme plus que Dieu? Aimes-tu ton mari plus que Dieu? Aimes-tu tes enfants plus que Dieu? Aimes-tu ton pasteur plus que Dieu? Aimes-tu les enseignements plus que Dieu? Si tu aimes ces choses plus que Dieu, tu n'es pas digne d'être disciple. Et tu ne peux suivre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Tu ne peux être agréable à Dieu. Alléluia. Il y a une chose que le Seigneur m'a interpellé dans la parole de Dieu. Il m'a dit une chose. Même parmi les disciples, certaines personnes ne se sont pas rendues compte qu'ils se sont déjà retrouvés parmi la foule. Christ posera la question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qui je suis? Personne n'a pu répondre à cette question. Nous venons à l'église. Si je pose la question à toutes les personnes qui sont ici présentes, qui est Jésus pour toi? Certainement que tu me répondras, Jésus c'est le Fils de Dieu. Tout le monde le sait. Jésus est mort à la croix. Tout le monde le sait. Jésus est mon sauveur. Tout le monde le sait. Mais la vraie question, là où Dieu m'a interpellé, il m'a dit, dans cette question, chaque personne doit normalement répondre selon la révélation dans son intimité avec Dieu. Ma femme, elle s'appelle Mati. Tout le monde l'appelle Mati. Mais moi, je ne l'appelle pas Mati. Ça fait partie de mon intimité. Je lui donne un nom dans mon intimité. Et chacun de nous doit donner un nom à Christ selon son intimité avec le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Et il y a une personne qui a pu répondre à cette question, c'est Pierre. Alléluia. Et ce matin, je te pose la question, qui est Jésus pour toi? Est-ce que ta réponse sera une réponse superficielle? Alléluia. Tu peux être disciple et ne pas te rendre compte qu'à un moment tu avais déjà trébuché et tu es rentré dans le camp de la foule.
La foule, ce sont des personnes qui empêchent les autres de venir à Dieu. Frère, Jésus ne t'a pas sauvé toi seul. Il veut aussi sauver les autres au travers de ta vie. À un moment, Jésus était assis. Et un enfant vient vers le Seigneur. Que font les disciples? Ils veulent empêcher cet enfant. Et le Seigneur dit, non, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu est semblable à ses enfants. Nous empêchons certaines personnes à venir vers le Seigneur sans le savoir. Nous publions des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et nous empêchons certaines personnes à croire au Seigneur à cause de notre façon de faire les choses. Et lorsque tu empêches une personne à connaître Dieu, il y aura ce qu'on appelle une sentence sur ta vie. Le paix de Dieu sur ta vie. Car la Bible déclare, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un ordre qui vient de Dieu. Vous savez, lorsque vous passez le code de la route, vous avez des questions comme je peux ou je dois. Je peux, c'est le verbe pouvoir, n'est-ce pas? Et je dois, c'est le verbe devoir. Donc là, dans le verbe devoir, c'est une obligation. Et quand Christ dit « allez », c'est une obligation. Et toi, si tu ne vas pas, tu désobéis à la volonté de Dieu. Et tu empêches donc les autres de venir vers le Seigneur. Et donc tu pèches. Et lorsque nous le faisons, nous sommes comme la foule. Dans une masse. Alléluia. Alléluia. Il y a des conditions pour devenir disciple. Alléluia. L'Église, malheureusement, je dis bien malheureusement, avec certaines choses que Dieu me dit et dit à d'autres personnes, est tombée dans un sommeil. Et l'église est remplie de la foule. De personnes qui viennent à Jésus juste pour un miracle. De personnes qui viennent à Jésus juste pour une guérison. De personnes qui ne sont pas affermies. Et lorsqu'il y a un problème, c'est les mêmes personnes qui quittent les églises. Une personne qui est dans la foule n'est pas enracinée. N'a pas d'appui. Parce que cette personne-là n'a pas de maître. Nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Mais est-ce qu'il est réellement notre Seigneur? C'est lui qui conduit nos vies. Est-ce que lorsque tu te lèves pour prendre une décision, est-ce que tu te tournes vers Dieu pour demander à Dieu, est-ce que dans cette direction tu me vois? La foule. La foule. Nous avons des prédicateurs qui ne sont plus ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire, ils ont brisé leur alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne prêchent plus sous l'onction de Dieu, mais prêchent ce qu'on appelle l'expérience. Tu peux faire 10 ans avec Dieu, mais Dieu peut marcher avec toi pendant 1 an et t'abandonner. Et le reste du temps que tu peux faire, c'est juste prêcher ce qu'on appelle l'expérience, les choses que tu as vécues hier. Et beaucoup de personnes sont en train de prêcher leur expérience. Il n'y a plus d'esprit de Dieu. Ils sont vides. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la foule désormais. De prédication qui ne bâtit plus. Qui ne fonde plus de vie. Frère,
rôle de l'église, c'est de ramener le peuple de Dieu vers le Seigneur. Nous sommes en train de renverser les choses. Serviteur de Dieu, mais tu veux te faire servir, c'est pas bon. Tu inverses le rôle. Tu t'appelles serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire serviteur? Tu dois servir, mais nous voulons maintenant que les autres puissent nous servir. Lorsqu'on inverse le rôle, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est vous servir. Si je cherche à tout moment que vous me servez, j'inverse le rôle. Jésus-Christ sur la terre était venu comme un serviteur. Voilà pourquoi il a même lavé les pieds de ses disciples. Pour leur montrer que je ne suis pas venu pour des millions. Je ne suis pas venu pour remplir des stades. Je ne suis pas venu pour faire du spectacle. Je ne suis pas venu pour faire du cinéma. Mais je suis venu premièrement pour servir. Alléluia. Prédicateurs qui ne prêchent plus la vérité. Un témoignage. Un serviteur de Dieu, pendant le culte, devait prêcher la parole. Et un ministre, la politique, entre. Et lorsque ce pasteur voit le ministre, il change son message. Il prêche sur la prospérité, alors que Dieu lui avait donné un autre message. Le premier jour, le ministre vient, il repart, attristé dans son cœur. Le dimanche qui arrive, le même ministre revient. Lorsque le serviteur voit encore le ministre, il change le message. Et Dieu lui avait donné le même message qu'il lui avait donné précédemment. Il change le message. Le ministre repart. Le troisième jour, le même ministre revient. L'homme de Dieu, lorsqu'il voit le ministre, il veut changer le message. Le ministre l'appelle. Il va voir le ministre. Et le ministre lui dit, écoute, si tu as besoin d'argent, j'ai beaucoup d'argent, je peux te donner. Mais prêche-moi la vérité. Parce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. Frère, je ne prêcherai jamais la parole de Dieu pour mentir à quiconque. Que Dieu me garde. Je ne cherche pas l'argent. Parce que j'ai l'argent. Je ne cherche pas la prospérité parce que Christ m'a rendu prospère. Je ne cherche pas la bénédiction parce que la Bible déclare que les bénédictions de Dieu sont d'abord spirituelles. Et c'est à nous d'appeler les choses spirituelles à se matérialiser. Et Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence de créer les choses. Si le monde peut le faire, à combien plus forte raison nous? Beaucoup changent leur message de peur que le peuple de Dieu puisse partir. Rappelez-vous de cette histoire. Christ appelle l'homme riche. L'homme riche qui vient vers le Seigneur, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous vous souvenez de la réponse du Seigneur? Il dit, va et vends tous tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. Il a regardé la richesse qu'il avait. Il a regardé sa position sociale. Il a regardé tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Il a dit non, je ne peux pas. Et lorsqu'il est parti, dites-moi, est-ce que Christ a suivi cette personne-là? Est-ce que Christ a suivi cette personne-là? Cette personne représente l'église actuelle. C'est-à-dire, nous te prêchons la vérité. Si tu n'es pas content, frère, tu peux partir. Personne aime les hommes plus que Dieu. Si
tu ne veux pas te convertir, frère, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. La confusion dans l'église. La distraction dans l'église. Des hommes et des femmes qui veulent conduire le pasteur. Mais où avez-vous vu ça? Franchement, frère. Je ne parle pas du pasteur d'ici, hein, je parle en général. Celui qui reçoit la vision sait là où il va. Et fait tout pour emporter et emmener tout le monde dans cette vision. Alléluia. Moïse, Dieu lui a donné la vision, n'est-ce pas? Il ne l'a pas donné à Aaron. Voilà pourquoi même Aaron va faire le veau d'or. Parce qu'il n'avait pas la vision de Dieu. Celui qui a la vision de Dieu est un serviteur. Alléluia. Sortons de la foule, bien-aimés. Église, que cette voix ne s'arrête pas. Sortons de la foule. Sortons de la foule et devenons disciples de Dieu. Devenons disciples de Dieu. Cherchons à être dans la présence de Dieu. Je le disais tout à l'heure, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup abandonnent la foi. Où beaucoup de personnes, malheureusement, rétrogradent. Où l'amour n'est plus dans les assemblées. La foule, ce sont des personnes qui aiment murmurer. Lorsqu'il y a un problème, ils ne cherchent pas à comprendre, à chercher la solution. Mais ils passent leur temps à murmurer. La foule crée des divisions dans les églises. Elle va venir vers la sœur. Tu sais, le frère là-bas, c'est un impudique. Et la sœur ne va même pas vérifier. À son tour, va aller voir une autre sœur. Le frère là-bas, c'est un impudique. Et malheureusement, elle va ramener une autre chose. Ça veut dire, elle va rajouter quelque chose. Et ainsi de suite. Et ça crée des divisions. Des personnes qui sont blessées, qui n'ont rien fait du tout. C'est ça la foule. La foule n'a pas d'objectif. La foule n'a pas de vision. Alléluia. Vous savez, dans la basse-cour, il y a tout type d'animaux, n'est-ce pas? Et c'est comme cette église. Il y a la foule. Et des disciples, et des inconvertis, et des idolâtres. Il y a plusieurs types ici. Est-ce que tu fais partie de la foule? Ou es-tu un disciple? Et si tu es un disciple, tu dois faire attention. Tu dois veiller sur toi, afin de ne pas repousser les autres qui veulent entendre la parole de Dieu. Et tu dois voir la révélation de celui que tu suis. Voilà pourquoi, malheureusement, certaines personnes abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas la révélation du Seigneur. Pour me marier, j'ai pris un temps. Je ne me suis pas lancé comme ça. J'ai pris un temps de réflexion, un temps de prière, un temps où je cherchais Dieu pour savoir si réellement c'était la bonne personne. Pour connaître la personne. On ne se lance pas dans les choses comme ça, bien-aimé. Tu veux monter un business? Cherche la volonté de Dieu. Est-ce que l'endroit où tu veux monter ce business-là, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que la personne avec qui tu veux collaborer, est-ce que c'est une bonne personne? L'église où tu veux aller, est-ce que c'est une bonne église? Est-ce qu'on prêche la vérité? Est-ce qu'on prêche sur le péché?
On ne fait que prêcher la prospérité. Prêcher, tu vas te marier. Tu auras des papiers. Tu auras ceci, tu auras cela. Frère, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Qu'on ne vous monte pas. Tu auras des papiers, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Il y a des personnes certainement qui traversent des situations difficiles. Je suis conscient. Mais je ne peux pas te prêcher en venant en Jésus, tu auras des papiers. Jésus n'est pas est devenu une personne qu'on ne respecte plus, qu'on ne craint plus. On joue avec le nom du Seigneur. Viens à Jésus, tu te marieras. Quel est cet évangile? C'est lui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix. C'est ça l'évangile. La croix, c'est synonyme de difficulté. La croix, c'est synonyme de problème, de rejet. C'est ça la croix. On ne nous prêche plus la croix. On ne nous prêche plus la vérité. Alléluia. Sortons. 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 Alléluia. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, c'est la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Pour moi et pour toi. Sommes-nous dans la foule? Sommes-nous des disciples? Et si nous sommes des disciples, faisons attention à notre façon d'approcher les autres. Parle du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.